Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je souhaitais remercier tous les abonnés car aujourd'hui le 24 juin 2022, on est arrivé à 500 abonnés. Donc merci à vous de vous être abonné et ça m'incite d'autant plus à faire des nouveaux contenus de vidéos pour vous satisfaire et vous aider dans vos éventuels projets futurs ou même si vous aimez bien suivre la chaîne pour ce qui est proposé. Donc merci à vous en tout cas et bah, en espérant que ça continue comme ça quoi. Voilà, donc un petit clin d'œil. Merci à vous. Donc là aujourd'hui, si vous avez suivi la précédente vidéo, j'avais mis de la pâte à joint donc entre la cale et la culasse. Ouais, entre la cale et la culasse. Donc là on a toujours le problème hein, comme je vous avais déjà expliqué. Voilà, c'est une grosse prise d'air qui se passe en dessous de la cale du coup. Donc là, bon, dans les commentaires de la précédente vidéo, comme j'ai expliqué, pour moi, je pense que c'est le stylène qui est pas d'aplomb ou qui y a vraiment encore des déformations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Et là, j'ai déjà retiré les ressorts du pot. Et donc là, en fait, je vais démonter le bloc, enfin le moteur, quoi, on va dire. Et je vais resurfacer la partie supérieure du cylindre parce que je pense que c'est lui qui fout la merde. Déjà, j'avais pas ce qu'ils ont vu le début de mon montage moteur, j'avais pas un aplomb terrible sur le haut du cylindre. Donc là, en fait, je vais recontrôler encore une fois. Ça me paraît bizarre parce que bon, j'avais quand même un très bon résultat à la fin, quoi. Donc voilà, donc je démonte ça, je vais marquer la partie à surfacer pour que je vois bien vraiment si tout est bien à plat. Comme ça, je vais refaire un contrôle complet et on verra bien ce qu'il y a. Voilà. Donc là, je viens de retirer les quatre écrous de culasse et je vais déculasser pour voir ce qu'il y a en dessous. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé. À mon avis, j'ai fait un beau petit joint de culasse. Donc là, si vous vous rappelez dans la précédente vidéo, avant que je nettoie, on avait vu que j'avais ici vers le haut, j'avais une projection noire. Ainsi que vers le bas. Donc là, j'ai regardé, mais à mon avis, j'ai dû faire un beau petit joint de culasse. Alors attendez, j'essaie de vous faire voir sans foutre mes gros doigts sur la caméra. Bon, bah voilà, c'est sans appel. On voit bien le haut et le bas. Le joint est complètement défoncé. C'est la première fois que j'éclate un joint comme ça. Pour moi, ça doit être parce que j'ai trop de puissance, à mon avis. Non, je plaisante. Donc là, bon, ben, au moins, on a trouvé l'origine du problème. Donc là, je vais essayer de regarder si j'en ai encore un autre, parce qu'en diamètre 46, je ne sais pas. J'ai peut-être encore des renforcés. Mais tant pis, hein, je vais. Rien que pour faire le test, enfin, pour démarrer et puis essayer au moins de faire les réglages, je vais provisoirement remettre. 1,46 avec un. Je crois que j'ai encore des joints de 46 renforcés. Donc là, je pense que j'ai en stock chez moi. Ouais, parce que pour la petite info, je vais pas aller au magasin maintenant. Si vous voyez l'heure qu'il est, je suis un petit peu matinal aujourd'hui. Je vous mens pas, vous avez vu l'heure qu'il est. Donc là, je me suis déjà lavé en plus avant. Mais je suis pas un grand dormeur. Donc là, comme je voulais avancer un petit peu sur mon moteur, bah voilà, j'ai dû aller, je vais dans le garage. Donc là, ben, vous voyez, là, je vous fais bien voir. On voit bien que. Ça attaquait de tous les côtés, quoi. Donc là, à mon avis, c'est parce que ça comprime bien. Ouais, bon, bah, je vais aller voir si j'ai encore un joint, et puis on change ça, et à mon avis, après, je serai tranquille. Voilà. Bon, alors j'ai sorti de la boîte à joints, donc j'ai toujours des joints d'avance. Bon, alors je dis pas que j'ai toutes les sortes, mais en tout cas, on peut dire que pour les kits 65, j'ai de quoi. Donc j'ai le choix entre des non renforcés et des renforcés. Bah la question se pose pas, je vais mettre un renforcé vu comment il a éclaté celui qui est pas renforcé, qui était monté dessus. Donc là je vais mettre un comme ça, avec les petits cerclages métalliques. Quand j'étais ado, au début je mettais tous des joints comme ça. Et dès que j'ai eu j'ai monté des kits moteurs, bah, à chaque fois des joints comme ça, ils pétaient. Donc quand j'étais enfin j'étais beaucoup en 50 quand j'étais ado. J'ai pas eu beaucoup de 75, enfin de kit 65, et enfin on disait tous kit 75 à l'époque, mais bon, quand on regarde réellement, qu'on fait le calcul du volume, on se rend compte que c'est pas des 75. Voilà. Donc là,
Du coup, je vais rebasculer sur ce que je mettais à l'époque sur mes kits 50 et je vais mettre du joint renforcé. Donc vous pouvez le voir, il y a un cerclage en métal autour et ça permet de, on va dire, d'éviter au joint de se casser, quoi. Franchement, c'est des joints comme ça, moi j'en ai jamais cassé. Enfin, il faut y aller, hein, parce que c'est un cerclage métallique autour. Voilà, donc là je vais monter comme ça. Petite précision, bien entendu, je vais renettoyer mes plans de joint et je vais remettre un petit coup de surfaçage léger dessus avant de remonter, comme ça j'aurai une belle surface. Voilà. Bon voilà, j'ai retiré le joint de culasse, donc j'ai tout bien nettoyé. Donc voilà, tout est propre. Donc là je vais remettre le joint de culasse renforcé comme je vous expliquais. Là j'ai refait un petit peu, j'ai resurfacé un coup la cale de culasse là. Donc j'ai profité parce qu'il y avait un petit excédent de pâte à joint de la dernière fois quand j'avais monté. Donc là c'est encore bien collé dessus. Et du coup j'ai retiré tout l'excédent là ici, j'ai nettoyé un petit coup la culasse. Et puis j'ai resurfacé un coup la culasse. Là, là nickel. Donc là je monte le joint, je remets la culasse et je vous fais voir la compression après. Bon voilà. Donc on a remis la culasse, on a resserré la culasse et là. Voilà. Là, c'est quand même mieux. Hein. Donc, j'ai juste mis un joint de culasse. Hein. J'ai pas remis de pâte à joint comme j'avais dit initialement. J'ai remis un joint de culasse renforcé. Voilà. Donc là, on entend bien. C'est varieux, c'est pas terrible. Sur la SPX, c'est bien parce qu'on prend tout le varieux et on tourne. Donc là, pour choper là derrière, je fais gaffe à mes doigts parce que j'ai le support de cache variateur. Donc voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc là je poste la vidéo là ce matin. Et peut-être que si j'ai le temps ce soir, je ferai un démarrage, je referai une petite vidéo vite fait. On va les 500 abonnés. Voilà. Donc là bah, ça comprime. Hein. Franchement là, rien à voir. J'avais vraiment une sacrée prise en haut. Voilà. Bon bah là, je pense que je vais pouvoir enfin faire mes réglages moteurs. Allez, je vous remercie. À bientôt.